Tu rigoles, combien on a gagné? Tant que ça? Hé, hey Mel, tu sais pas? Big Pharma a fait des prouesses en effraiement blindé! Bien joué! C'est super, Franck, c'est super. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Payer les médecins? Mais qu'est-ce que... Merde! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Tony? Ils ont pas voulu me laisser rentrer à l'hôpital. Mais merde, pourquoi t'es pas passé aux urgences? Les urgences? Ils sont pleins. Il n'y a plus assez de personnel. C'est le tiers-monde là-dedans. Ça va, Mel? Tu peux répondre à ça, toi? Il y a toujours une réponse, Tony. C'est de la faute des suspendus. Ils n'ont pas voulu se plier à l'obligation. Ouais, sûrement de leur faute, bien sûr. Peut-être que t'as raison. Mais oui. On devait les dégager, ces égoïstes. Ils pouvaient transmettre le virus aux malades, les salauds! Mais oui, c'est des complotistes. Pourquoi cette arme, Tony? Braqué. Ah, pas rien. Je suis... Comment vous dites? Paranoïaque. Tu réponds pas, Franck. C'est forcément François. Il devait m'appeler pour planifier les injections des enfants. Je vais lui dire que t'es sorti, ok? Non, 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 ça va. Je vais lui parler. Allô? On est grillé. Pfizer a avoué que la soupe n'a pas été testée sur la transmission. Notre position va être difficile à maintenir. Tony est au courant et il est en pétard. Oui, oui, pour l'injection des enfants, on planifie ça dans une heure. T'inquiète pas. Hé, hey, Franck! T'es de la merde en sachet. Mais enfin, Tony, de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je te parle, sale foireux, sale punaise. Mais on devait les suspendre, enfin, ils étaient dangereux. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un vendu, Franck? Un connard qui s'est basé sur du vent pour briser des vies. C'est un traître. Tout à fait toi, Franck. Mais Tony, merde, enfin, pourquoi je ferais tout ça? T'as viré complotiste, hein? D'accord, je me suis peut-être trompé, et alors? Rien de bien grave. La majorité s'est bien pliée aux ordres, c'est eux qui ont défié notre autorité. Tu nous l'as bien mis profond. Tu as détruit des familles entières en te servant d'un mensonge, sale fumier. Salaud. Mais toi, un mec qui n'a aucune valeur, t'es qu'une sale punaise. Mel, reste pas les bras croisés. Chacun sa merde, Franck. Les rats quittent le navire. D'accord. Je l'avoue, Tony. C'est bien moi, le serviteur de Big Pharma. Mais laisse-moi une deuxième chance, hein, Tony? Je peux te faire un faux pass pour que tu passes aux urgences plus facilement. En VIP devant tout le monde. Sinon, j'ai le numéro de Jimmy Mohamed. Si tu veux, il vient te faire un bandage et te donner 2-3 conseils sur des sujets qu'il maîtrise pas. J'ai de quoi te chauffer cet hiver. Tu veux des bouteilles de butagaz? J'en ai plein. Je les ai mis dans un coffre avec quelques pots de moutarde. Je peux te les donner, ils sont à toi. D'accord? Tu auras des tonnes de privilèges. D'accord, Tony? Hein? Pitié, Tony! Du PQ! Du PQ! Tu veux du PQ?
T'en auras des tas et tout un stock de pots de Nutella. Même un poste au gouvernement, on y met n'importe qui, mais je t'en supplie. On ne peut pas réintégrer les suspendus, il y aurait trop de procès derrière. Vous ne pouvez pas les réintégrer. Vous préférez que les molles s'entassent dans les urgences, hein? Je t'en supplie, mon petit Tony. Mais touche pas, sale collabo! Debout! Je suis qu'une merde, je sais. Tony. Merde, on ne me tue pas, je t'en supplie, Tony. Je vais pas te tuer. Oh mon Dieu, merci. T'es beau, dis pas merci. Merci, Tony. Mano, envoie l'album que les gens sachent. Non. On va faire du bruit, il est temps de redevenir humain. On a accepté trop de choses, surtout nos âmes du purin. On va s'organiser, fini d'attendre l'aide de ces traîtres. Le changement vient de nous, ainsi redevenons nos maîtres. La plupart ont cru leur discours, ont embrassé la peur. La plupart ont fait les vautours, ils ont fermé leur cœur. Et la plupart ont fait les souris face à tous ces pleurs. Alors je te le dis sans détour, la plupart sont des pleutres. Pas une couleur, pas une ethnie, pas une culture ni fait. Les traîtres sont de tous bords, ou pareil pour les révoltés. Le clivage est bon, le bon grain se sépare de livrer. Mais gare à ne pas tomber dans leur piège de fausse humanité. Ils s'opposent en public mais se boivent dans la même mangeoire. Quand il fait de concret, disons-le, ce sont des tocards. Le temps est venu de mettre en avant les vrais héros. Ils les ont trop traînés dans la boue avec nous.